Bonsoir à tous, c'est 57FR pour une nouvelle vidéo sur Slender The Revival, en Forever Alone sur une version un peu plus ancienne, la version 1.2, car c'est la version maximum que je peux avoir sur Slender The Revival. Non, je déconne, la version maximum que je peux avoir c'est la 1.3. La 1.4 et la 1.5, je peux pas les avoir, je ne sais pas pourquoi, tout ça à cause de ce putain d'Oculus Drift, de ce support qui me fait chier. Je fais les mises à jour et le jeu est buggé. Je vous dis pas comment, mais il est buggy. Voilà tout. Donc, nous sommes sur Slender The Revival en version 1.2. Je n'ai pas la version 1.3 encore, mais il faudra que je refasse la mise à jour. Et là, je vous fais une vidéo spéciale, en plus. Nous allons passer un hardcore. Donc là, vous voyez bien, nous sommes en hardcore. C'est génial. Ça déchire sa mère, ça rase le pâté et les pédophilies. Donc, nous allons faire The Revival en hardcore. En 1.2. C'est parti. The Revival. De Slender The Revival. L'arrivée dans Slender, l'arrivée. Non, je sais, j'ai dit de la merde. Ok, je vais me suicider, je vais me jeter du haut d'un immeuble de 50 étages. Ok. Et je vais dire, je vole. Voilà. Donc voilà, nous sommes de retour dans le jeu Slender The Revival. Et on sort dans la montagne. Très belle montagne. J'aime les montagnes. Non, j'aime pas les montagnes, surtout avec des forêts et un Slender dans les parages. Allez, c'est parti. Je monte, toujours la belle musique, de la musique, qui fait pas peur du tout. Bon, on va laisser passer les notes, de toute façon, les notes, vous les verrez, vous les ramassez, et puis voilà. Un phallus. C'est parti. Oh, une caverne. L'allégorie de la caverne. Non, je déconne, on fait pas de la philosophie ici. On fait de la déconnade en Forever Alone. Donc voilà, nous sommes dans une caverne. Tac, tac, tac. On passe. Une caisse. Une caisse. Une caisse orange. Ok. On laisse passer la caisse. Elle est nulle. Elle est moche, elle est caca. On tag. Et un panneau. Vous voyez, ils arrivent à lire, hein. Eh ben non, on s'en fout. C'est parti. Patalatata, je me balade dans une caverne. Et il fait chaud. Il fait chaud. Et je passe seul. Merci Slender. On recommence car nous sommes des suicidaires. Des putains de suicidaires de la mort qui tue, car on aime les Slenderman avec leurs tentacules dans une forêt en feu. Et oui, tout le monde aime ça. Ah, c'est chaud. Merci Slender. Tu peux me laisser passer s'il te plaît. Oui madame. Non madame. Non, il n'est pas d'accord. Ok. Ok, on recommence. Donc nous sommes toujours à 1.2 à se faire chier dans une forêt en feu. Je passe par là. Je sais pas pourquoi je passe par là. Oh. Normal. Putain, Slenderman, putain, t'as fâché à la monde, Slender. T'es un putain d'enculé de fesse de pote de ta mère. Non, ici, c'est moi le pédophile. Et les pédophiles, c'est moi. C'est moi tous les pédophiles, vous entendez bien. C'est reparti, chaud cacao. Non! Je pète un plomb, je suis calme. On recommence une dernière fois. Une dernière fois, rien que pour le plaisir de mourir avec un Slenderman dans une forêt en feu. Sur Slender The Revival, comme d'hab. Allez, chaud cacao. Je passe. Je crois avoir vu une tentacule par là, non? Je crois avoir vu des tentacules partout.
Non! Merci Slenderman. On quitte. Allez, c'est bon. On a vu un Slenderman en train de nous violer, comme d'hab. Mais on peut rien y faire. Donc, c'était 147 FR sur Slender The Revolt en version 1.2 pour le niveau The Revolt en hardcore. Donc, je pense vous faire des nouvelles vidéos de ce jeu en hardcore. Le niveau Genesis, qui normalement, ça vous le décalez, vous mettez un niveau ici, qui s'appelle Genesis, qui est une remake de Slender The Age Page, donc le tout premier Slender officiel. Donc en fait, ils ont pris la map, ils ont fait copier-coller, ils l'ont boosté avec le jeu, et voilà, vous avez une nouvelle map. Donc en fait, le niveau Genesis se passe avant le scénario de Slender The Revolt, donc avant tout ça, ça se passe ici en fait, mais ils l'ont foutu là pour parce qu'on est des bisous. Donc on s'en fout. Donc c'était 50 TFR sur Slender The Revolt. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce vert. Si vous a pas plu, vous vous cassez. Si vous voulez donner votre avis, mettez un commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous à mon Twitter, mettez un j'aime sur ma page Facebook. Et je remercie les nouveaux abonnés. Donc j'en suis à exactement 44 nouveaux abonnés. Abonnés, c'est génial. Toujours plus d'abonnés, donc égale plus de vues, donc égale plus de vidéos. Donc c'était 147FR et je vous dis à une prochaine fois sur 147FR sur YouTube. Au revoir à tous.